Oui, peut-être pas parce que la population n'a pas confiance à notre justice, mais il est revenu à l'État du Sénégal de faire un diagnostic par rapport à la justice et à son approche. Et le constat a été clair que la justice est un peu éloignée de la population. Et la justice est coûteuse. Les affaires sont beaucoup pendantes dans les juridictions. Et en 1999, à l'époque sous l'ère du président Abdou Diouf, un décret présidentiel a été pris, le décret 1999, 1124, du 17 novembre 1999, pour créer ce qu'on appelle les maisons de justice, avec pour objectif d'abord de décongestionner les juridictions, de créer un cadre approprié pour discuter et régler quelques conflits, les conflits de voisinage, les créances, les conflits fonciers, et tout ça sous la supervision quand même du procureur de la République qui en est le président du comité de coordination. Il faut dire qu'en 2008, on n'avait pas plus de 300 affaires. Il faut le comprendre, à l'époque, on avait du mal à nous faire connaître, mais aujourd'hui, en 2022, parce que nous traitons ce qu'on appelle les informations juridiques, que moi-même, coordonnateur, je m'occupe en tant que juriste de formation, il y a également la médiation et conciliation, gérée par le médiateur, quand même, qui réconcilie, qui concilie les parties. Je vous dis, en 2022, on en est à beaucoup plus de 1 000 dossiers que nous gérons ici à la Maison de justice.